bien, merci beaucoup de votre collaboration encore une fois. Alors, bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Je crois que Christophe et moi-même sommes tous les deux surpris de cette masse de gens devant nous. C'est assez impressionnant, je dois dire. Alors, est-ce que c'est dû à ce pic médiatique dont il a pu bénéficier ? Je l'ignore. En tout cas, les médias ont joué le jeu, donc je me permets de les saluer. J'en aperçois quelques-uns dans la salle. Plus sérieusement, c'est peut-être effectivement le sujet, ou peut-être un des termes qui a été utilisé, on l'évoquait encore aujourd'hui, peut-être que le terme controverse a suscité dans quelques esprits une curiosité, un intérêt. En tout cas, je suis ravi d'accueillir Christophe Sand, qui, pour ceux qui l'ignoraient encore, est donc le directeur de l'IANCP, l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique. C'est marqué ici sur sa chemise. Voilà, au cas où on le perde dans la salle, on le retrouvera assez facilement. Donc ce soir, on va soulever la poussière, on va gratter la terre pour faire émerger peut-être un bilan à la fois de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie à travers l'archéologie, bien évidemment, notion qui ne s'oppose pas, mais qui peut s'associer à d'autres dimensions, et en particulier mythiques. On est dans une maison qui est là pour le rappeler sur certains mythes, notamment le mythe de Teinkanakei. Peut-être qu'il en sera question aussi ce soir dans la conférence ou bien dans les débats, puisque, évidemment, au terme de cette conférence, vous avez tout loisir de vous exprimer, éventuellement de mettre en difficulté notre conférencier qui est déjà suffisamment stressé, mais voilà. Peut-être que vous avez eu le temps de voir quelques documents près de la salle Sicia qui correspondent à beaucoup de publications auxquelles a participé Christophe Sand, parcours archéologique, l'expédition de Guifort, des Schoettler, le passé de Deva, pour ne nommer que celle-ci. Il est vrai que l'INCP a beaucoup produit. Donc nous avons présenté un échantillon, mais il y a beaucoup de documents qui sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel, et je vous invite à venir nous voir pour aller plus avant dans ce sujet. Alors je précise aussi que pour les quelques personnes qui ne seraient pas là ce soir, la conférence est aussi enregistrée par la chaîne Calédonia, juste devant moi, et qu'elle sera diffusée, alors à une date qu'on ignore encore, à la fois sur leur antenne et sur leur chaîne YouTube. En attendant, dès la semaine prochaine, vous pourrez écouter aussi cette conférence sur notre site web adck.nc, sur le catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Et puis, à titre peut-être plus personnel, moi je voulais dédier cette conférence à quelqu'un en particulier ce soir. Christophe n'est pas au courant. Quelqu'un qui venait régulièrement, qui intervenait souvent dans les débats, qui nous gratifiait toujours en introduction d'un « bonsoir, c'est Ben », avec toujours cette douceur dans la voix, et puis des propos plutôt affûtés. Je veux bien entendu parler du pasteur Ben Onboui, qui nous a quittés récemment. Donc je voulais lui faire un petit coucou d'ici, là où il est. Merci à vous d'être venus si nombreux, encore une fois. Et puis je cède la parole sans plus attendre à Christophe, bon courage et merci surtout. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est très impressionnant d'être là devant vous. Et du coup, je vais me donner du courage. Ça, c'est mon tabac, mon bonjour. Ce bonjour, c'est pour les gens qui sont déplacés un jeudi soir dans les embouteillages de Nouméa pour venir écouter quelqu'un parler sur l'histoire du pays. Ce bonjour, c'est aussi pour marquer cette maison et ce qu'elle représente dans le pays. Ce bonjour aussi, c'est pour tous les esprits qui flottent et puis tous ceux dont on va parler là, et pour d'une part leur demander de me donner du courage
Et puis, d'autre part aussi, très humblement, pour pouvoir m'excuser avant même de commencer auprès des gens qui, ce soir, peut-être ne seront pas entièrement contents de ce que je vais dire, des paroles que je vais exprimer. L'objectif de cette conférence, comme l'objectif du travail qu'on fait à l'Institut d'archéologie, c'est pas de blesser les gens. L'objectif de notre travail, c'est de contribuer à la construction du pays et de donner à voir ce que tous les vieux, depuis 120 générations, ont été capables de construire sur cette terre du Pacifique. Voilà, ça c'est juste pour ce soir. Olé. Je ne vais pas lire de texte, parce qu'on finit par s'endormir, moi comme vous. Et donc, je vais vous bombarder d'images pendant... j'ai droit à 1h15, à peu près, un petit peu plus peut-être. Et je voudrais rappeler, comme cadre général, que la réalité de ce pays, c'est qu'aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, s'y côtoient deux légitimités historiques, mais que dans la réalité, en fait, c'est des centaines de visages différents qui composent ce petit bout de terre. Et mon sujet de ce soir, il va d'une certaine manière poser la question de la manière dont on pourrait ou on peut présenter le passé de l'archipel calédonien, mais plus largement des archipels du Pacifique. En effet, si l'histoire est présentée dans les livres ou à l'école comme quelque chose de relativement monolithique, avec des dates, avec des événements, en fait, les différentes sociétés du monde ont, au cours du temps, eu des approches qui ont été extrêmement diverses, variées, de la manière d'exprimer les événements du passé. Et dans le Pacifique, ce passé, il s'est exprimé avant tout à travers les traditions orales. J'ai fait exprès de mettre en préambule, pendant que vous rentriez dans la salle, un texte qui exprimait cette vision océanienne du passé. Et pendant des millénaires, dans le nord de la Mélanésie ou en Australie même pendant des dizaines de millénaires, le passé, il s'est exprimé à travers des récits, à travers des lieux, à travers des figures ancestrales importantes. Mais ces récits, ils avaient un objectif principal. C'était de justifier la place des clans, des chefferies, des familles, dans la société du moment. C'était ça l'objectif des traditions. Et s'il y avait une évolution des chefferies, s'il y avait une évolution des systèmes politiques, s'il y avait des nouveaux clans qui arrivaient, eh bien progressivement la tradition orale, elle oubliait les événements qui ne justifiaient plus le système actuel. Et on gardait les événements les plus importants dans des mythes. Et puis, eh bien, la tradition orale, en fait, elle se recomposait. À partir du 18e, 19e siècle, À partir du 18e, 19e siècle, cette façon de percevoir le passé s'est confrontée à une vision occidentale de l'histoire. Cette vision occidentale, elle se construit sur des dates. Elle se construit sur le fil du temps. En fait, quelque part, elle se construit sur un modèle issu de la chrétienté. Un modèle issu de la chrétienté où vous avez une origine et puis vous avez des événements. Et ces événements, ils sont marqués par une chronologie. Du coup, cette chronologie, en fait, elle fige les événements et
elle construit une vision du passé qui est différente de celle des peuples de l'oralité. Et toute la problématique dont je vais parler ce soir, elle tourne autour de ces deux perceptions différentes du passé, qui, comme vous le voyez, ne s'excluent pas l'une l'autre, mais en même temps, n'ont pas réellement les mêmes finalités. C'est dans ce contexte que les Occidentaux ont inventé au XIXe siècle la science de l'archéologie. L'archéologie, son rôle, c'est d'étudier les objets, les vestiges qui ont été laissés par les générations qui nous ont précédés. Ces vestiges, ils sont soit enfouis dans le sol ou dans la mer, soit encore visibles en surface. Et dans le contexte du Pacifique, les fouilles archéologiques ont mis en lumière la présence de vestiges dans le sol qui remontent à plus loin dans le temps que ce que racontent les traditions orales. Et du coup, l'archéologie est aujourd'hui perçue par certains océaniens comme perturbante. Alors que, en fait, c'est une science qui est toujours incomplète et c'est une science qui évolue perpétuellement, aussi bien au niveau des savoirs qu'au niveau des informations que les techniques scientifiques nouvelles permettent d'apporter. Je prends un exemple tout simple que vous connaissez tous. Il y a 70 ans, l'archéologie n'avait pas le carbone 14. C'est-à-dire que quand les archéologues faisaient des fouilles, ils ne pouvaient pas donner des dates. Il y a 40 ans, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas des études d'ADN. Et donc, allez savoir dans 30 ou 40 ans ce que la science sera capable de permettre comme étude archéologique. Ce cadre étant donné, je voudrais vous présenter le plan de cette présentation. Parce que on est en Nouvelle-Calédonie, parce que l'histoire de l'archéologie calédonienne est une histoire qui a été marquée par toute une série de soubresauts et d'hypothèses, il me semble essentiel de commencer ma présentation en faisant un rappel des différentes interprétations qui ont été données du passé calédonien et ces différentes interprétations de les placer dans leur contexte historique du moment. Ensuite, je parlerai de façon relativement courte, parce que le temps est limité, du premier peuplement du pays et des évolutions de ce premier peuplement. Avant d'insister un petit peu sur la période que les archéologues appellent l'ensemble culturel traditionnel Kanak, c'est-à-dire les 1000 ans avant l'arrivée des Européens, qui sont une période extrêmement riche de vestiges archéologiques dans le pays. Et puis, je tenterai de montrer comment l'archéologie et les données archéologiques permettent de voir sous un jour nouveau la période qui va des premiers contacts jusqu'au début du XXe siècle, où aujourd'hui on a une approche de cette période grâce à l'archéologie qui est un petit peu différente de celle qui a été proposée par les anthropologues et les historiens jusqu'à présent. Et puis je terminerai par un questionnement sur la notion de l'histoire dans le pays calédonien et comment demain il faudra se poser la question de qu'est-ce que c'est l'histoire du pays calédonien et comment est-ce que on officialise une forme de passé qui soit assumée par l'ensemble des habitants de ce pays.
Cela fait plus de 150 ans qu'il y a, ben, principalement des Européens, qui s'intéressent au passé du pays calédonien à travers des études d'archéologie. Et je pourrais vous faire une présentation d'une heure et demie rien que sur ce thème, tellement il est riche. Je l'ai résumé en quelques points marquants. Les premiers écrits sur l'archéologie calédonienne, ils sont issus d'un monsieur qui s'appelait Gustave Glaumont. C'est le premier qui note la présence de pétroglyphes en Calédonie. C'est le premier qui fait des fouilles stratigraphiques profondes, entre autres sur Bouraille. Et il publie dans les années 1880 un gros ouvrage où, en fait, son intérêt pour les Kanaks l'amène à proposer une longue chronologie culturelle, commençant par des chasseurs-cueilleurs, arrivant jusqu'à James Cook, où en fait, d'une société à une autre et d'une culture à une autre, passant des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux agriculteurs, son hypothèse, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes. C'est toujours les mêmes, comme il dit, c'est toujours la même race qui passe du stade de chasseurs-cueilleurs jusqu'au stade des agriculteurs kanaks. Cette idée va être balayée une vingtaine d'années plus tard par Marius Archambault, qui lui a une démarche totalement inverse. Il a très clairement aucune relation fraternelle avec les Kanaks, et lui, son idée, c'est que les Kanaks, ils sont bons à rien, et que donc tout ce qui est esthétique, et en particulier les pétroglyphes qui le passionnent, ne peuvent pas avoir été faits par les Kanaks. Si ça n'a pas été fait par les Kanaks, nécessairement, il y a dû y avoir un autre peuple avant. Pour vous donner de façon très claire la vision de Marius Archambault, voilà un peu un résumé de son interprétation. Il invente une race des auteurs des pétroglyphes, à côté desquels il met la race papou, c'est-à-dire les Kanaks, considérant que la race des auteurs de pétroglyphes savait graver la pierre et que les Kanaks n'ont jamais gravé la pierre, que les auteurs de pétroglyphes avaient des extrêmes de raffinement et les Kanaks des extrêmes de grossièreté, que les premiers étaient artistes, les deuxièmes artistes à un très faible degré. Enfin, je vous laisse lire tout le reste. Et cette idée d'une race précédant les Kanaks va s'ancrer dans la société coloniale de façon extrêmement profonde. On ne peut pas comprendre l'affirmation de Marius Archambault sans la placer dans son contexte historique. Il écrit au début du XXe siècle, et le début du XXe siècle marque la fin de la dépopulation kanak. Pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, toute une partie des Européens sont convaincus que les Kanaks vont disparaître. Et du coup, d'une certaine manière, les Kanaks, ce n'est pas un problème. À partir du début du XXe siècle, la dépopulation s'arrêtant, les Européens prennent conscience que les Kanaks ne vont pas disparaître. Et donc se met en place, ici comme dans toutes les autres colonies, un discours qui va être un discours de négation des droits autochtones sur le passé. En affirmant que les Kanaks ne sont que les derniers arrivants avant les Européens. Certains scientifiques, parce que là on parle que d'amateurs, n'ont pas le même avis. Mais finalement ils font quasiment autant de mal. L'ethnologue Fritz Sarrazin, suisse, qui vient au début du XXe siècle,
dans le cadre de ces collectes, de façon très franche, il pille un certain nombre de cimetières kanak. Il fait faire des caisses et puis il remplit ça avec des ossements humains. Qu'il envoie en Suisse, qu'il étudie, en particulier les crânes, pour arriver à la conclusion qui est extrêmement populaire à l'époque, que les kanaks sont les plus proches membres de la famille humaine par rapport à l'homme de Néandertal. C'est-à-dire que les kanaks, dans le schéma de l'évolution, sont tout en bas. On va avoir plein d'écrits durant la première moitié du XXe siècle qui vont être des écrits extrêmement... qui ne vont pas valoriser les autochtones. Et ces écrits vont aboutir dans les années 50 au summum de cette boucle de négation de l'historicité kanak à travers les écrits d'un géologue, Jacques Avias, qui se passionne pour l'archéologie et qui écrit dans plusieurs articles entre la fin des années 1940 et le début des années 1950 une chronologie. Et dans cette chronologie, il y a un âge d'or de l'histoire calédonienne avec des poteries très décorées, avec des pétroglyphes, avec des grandes terrasses de taraudières. Et Avias, par une pirouette, tente de démontrer que les groupes qui ont fabriqué tout ça avaient des relations avec les Aïnous au Japon et étaient des gens qui avaient un lien culturel avec le Caucase. En un mot, ils étaient blancs. Et ils avaient été assimilés ou exterminés par une invasion papoue, c'était les Kanaks, avant le retour de la civilisation avec l'arrivée des Français. Ça peut vous sembler caricatural, ce que je vous dis, mais c'est comme ça que c'est écrit. Et quand vous avez aujourd'hui des Calédoniens qui vous disent « mais les Kanaks ne sont pas les premiers occupants », quand ils vous disent ça, c'est pas parce que ils sont racistes, mais c'est parce que c'est ce qui a été dit en Calédonie pendant plus de 100 ans. Dans les années 1970, on a encore des écrits de ce type-là. Au moment où se fait l'éveil de la revendication culturelle et politique kanak, et cet éveil, il va se faire, entre autres, avec un retournement à 180 degrés de tout ce que je viens de dire. Les leaders kanak vont affirmer la place de premier occupant et vont, à partir de là, développer un discours sur le passé du pays qui va être un discours qui tourne autour d'un âge d'or et surtout un discours où il n'y a pas de date, il n'y a pas de chronologie. Pourquoi il n'y a pas de chronologie ? Parce que les élites kanak critiquent, quelque part à juste titre, vu ce que je viens de vous raconter, l'archéologie, en considérant que cette archéologie a un objectif colonial affiché de négation des droits autochtones, et qu'à partir de là, l'archéologie, on n'en veut pas. Quand je dis qu'on n'en veut pas, c'est quelque chose qui est, dans les années 70, une réalité de terrain. C'est-à-dire que, entre autres, Lorstom souhaite, vers 1978-1979, réaliser des travaux archéologiques aux îles Loyauté, et les chefferies aux îles Loyauté interdisent aux archéologues de Lorstom de venir travailler chez eux, en disant « on ne veut pas d'archéologie ». J'ai mis cette couverture, que certains se souviennent peut-être. Cette couverture, c'est la première tentative par des Kanaks d'écrire l'histoire du pays. Et pour un archéologue, c'est un document extraordinaire parce que la première page
La première date, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, arrivée des Lapita. C'est-à-dire l'utilisation d'une information archéologique pour marquer la première arrivée. La deuxième date, c'est 16e siècle, arrivée des Polynésiens. Et la troisième date, c'est 1774, James Cook. Et tout le reste du livre, c'est après James Cook. Les années 80 ont été une période extrêmement difficile pour l'archéologie. Difficile de faire du terrain dans un contexte de guerre civile. Mais les choses changent à partir de la fin des années 80 parce que la Calédonie rentre dans un processus politique de décolonisation. Et ce processus amène à un premier changement qui ne concerne pas uniquement l'archéologie. Ce premier changement, c'est l'introduction de l'histoire calédonienne à l'école. Une partie des plus jeunes, là, vous avez tous eu droit à ce livre. C'est le premier livre d'histoire du pays écrit par des Caldoches, par des Kanaks et par des métropolitains qui, depuis 25 ans, forment la jeunesse calédonienne à son passé. Les collectivités qui ont été mises en place par les accords de Matignon ont chacune joué le jeu de l'archéologie. Avec la création d'un département archéologie, à qui a été donnée d'une certaine manière la mission d'identifier les complexités du passé calédonien, qui finalement, on s'en est rendu compte quand on a écrit le petit livre de CM, était encore extrêmement flou. Ceci me permet de passer à la deuxième partie. Et je vais commencer cette deuxième partie par des chiffres. Ces chiffres, c'est que ça fait 120 générations qu'il y a des gens dans ce pays. Or, il n'existe pas de généalogie qui a 120 niveaux. Et donc, soit on joue sur les généalogies pour mettre les vestiges archéologiques dans des généalogies, en rétrécissant le temps. C'est ce qui s'est passé avec ces squelettes Lapita. Ces ossements humains qui ont été trouvés sur le site de Lapita à Fouet, ils remontent à presque 3000 ans. Mais il y a des vieux de la région de Bako qui ont inséré dans leur généalogie ces ossements humains. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Ah, mais ça, c'est le vieux untel qui est au 8e niveau généalogique de ma généalogie. » Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien, c'est une façon de s'approprier dans un contexte kanak qui ne peut pas remonter à 120 générations, des vestiges qui viennent de la terre des clans qui se sont appropriés ces ossements dans leur généalogie, qui ont inclus ces ossements dans leur généalogie. Malheureusement, l'archéologie étant une science, ça ne fonctionne pas. Et la réalité, c'est que probablement 85% de l'histoire du pays, on ne la retrouve pas dans les traditions orales. Quels que soient les efforts des uns et des autres, il y a toute une partie de l'histoire du pays qui ne fait pas partie des traditions. C'est comme ça.
On n'y peut rien. C'est l'histoire, tout bêtement. Encore une fois, je pourrais vous faire 2 heures sur le peuplement Lapita, ce n'est pas l'objectif, mais simplement rappeler que la racine du peuplement Lapita, elle est double. Une partie de cette racine, elle vient très clairement d'Asie du Sud-Est, sud-est de la Chine, il y a 6000, 7000 ans, Taïwan ensuite, Asie du Sud-Est, avec une branche qui est allée jusqu'à Madagascar et une autre branche qui, en suivant la côte nord de la Nouvelle-Guinée, a fini par arriver dans l'archipel de Bismarck et ensuite descendue. Comment on sait qu'il y a une racine asiatique ? Bien, tout simplement parce que toutes les langues kanak, c'est des langues austronésiennes et que l'origine des langues austronésiennes, c'est l'Asie du Sud-Est. La conséquence, c'est que les Kanak, une partie de leur ADN, c'est de l'ADN asiatique. Mais en passant dans l'archipel de Bismarck, ces groupes austronésiens se sont mélangés avec des groupes papous qui étaient là depuis déjà 40 000 ans. Et donc le peuplement Lapita est un peuplement métis. C'est un peuplement à deux branches, où vous avez des gens plus ou moins métissés entre asiatiques et papous. Ce peuplement rejoint l'archipel calédonien. Aujourd'hui, on est certain que vers 1100 avant Jésus-Christ, il n'y a personne ici, et qu'en 1050 avant Jésus-Christ, il y a des gens. Donc voilà, on est à... Si vous retenez 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est largement suffisant. La particularité que voient immédiatement, probablement, ces groupes Lapita en arrivant sur la Grande Terre, c'est que c'est une île différente de tout ce qu'ils ont vu avant. Presque 3000 ans plus tard, James Cook fera exactement la même remarque. En arrivant à Balade, il dira « Ouh là là, ici, il y a une géologie qui ressemble à rien de ce qu'on a vu ailleurs. » Pour une raison très simple, c'est que la Grande Terre fait partie, est un bloc résiduel d'un énorme mastodonte continental, le Gondwana. Et cette particularité géologique va façonner la manière dont vont se faire les 3000 ans d'enracinement des gens au pays. Et si vous y réfléchissez bien, cette particularité géologique, elle continue à nous influencer. Parce que nous, on vit tous un petit peu directement ou indirectement sur la géologie du pays, c'est-à-dire sur le nickel. Le peuplement Lapita démarre un peu avant 1000 avant Jésus-Christ, mais la période Lapita, la période durant laquelle vont être fabriquées ces poteries très décorées, ne dure que 200 ans, entre 8 et 10 générations. C'est une période extrêmement courte de la chronologie humaine du pays. Et durant cette période, on a des installations de ces découvreurs marins qui viennent s'installer sur les bords de mer, aussi bien côte est que côte ouest, île des Pins, île Loyauté, et qui fabriquent des poteries de forme relativement compliquée, avec ces décors pointillés, avec ces parures en coquillage. Mais ici, comme partout ailleurs dans le Pacifique Ouest, on constate qu'au bout de quelques générations, on a une diversification aussi bien des formes de poterie que des décors, et surtout un début de différenciation entre la Grande Terre et les îles Loyauté. Et au bout de 200-250 ans, on note très clairement que des processus d'enracinement commencent à apparaître.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens de découvreurs sont en train de devenir autochtones. 250 ans, c'est un peu moins de deux fois la présence des Français ici. C'est-à-dire que ça peut sembler court, mais en fait, c'est super long. Et ces processus d'enracinement vont entraîner, durant le reste du premier millénaire avant Jésus-Christ, des transformations progressives des formes des poteries et une différenciation des formes entre le nord et le sud de la Grande Terre. Les îles Loyauté ayant des mauvaises argiles, eh bien les gens ils vont carrément arrêter de fabriquer de la poterie, alors que leurs ancêtres en fabriquaient. Ce processus va s'accompagner des premiers impacts sévères sur l'environnement naturel. Les gens sont des agriculteurs. Ils sont arrivés avec des tarots, avec des ignames, avec des cannes à sucre, avec des bananiers, avec des cocotiers sur leurs pirogues. Et ils se retrouvent, bien entendu, devant des îles où il n'y a que de la forêt, depuis des dizaines de millénaires. Ils vont donc mettre le feu à la forêt pour pouvoir cultiver. La conséquence du feu va être que sur les pentes des collines, vous allez vous retrouver avec des espaces de sol humifères de surface tenus par les racines depuis des millénaires qui tout d'un coup ne vont plus pouvoir être retenus par les racines des arbres puisque les arbres ont été brûlés. Premier cyclone, première très grosse pluie, toute une partie de ces terres de surface vont être arrachées par la pluie et vont être entraînées vers les plaines, puis vers le bord de mer. Pour vous donner une idée de ce qu'a représenté cette période de destruction des forêts et de glissement de terrain, je peux vous prendre l'exemple de cette coupe stratigraphique, là, dans les années 1930, dans une des plaines de Moindou. Il y a un caldoche qui a fait un puits pour aller chercher de l'eau. Et après être passé à travers différents niveaux d'alluvion, à un peu plus de 6 mètres de profondeur, il a trouvé une couche de terre dans laquelle il y avait de la poterie, des coquillages, des pierres brûlées, remontant tout à peu près 2000 ans. Cette découverte, elle permet d'illustrer qu'au cours des derniers 2000 ans, il y a plus de 6 mètres de terre qui est venue se mettre sur cette plaine. Il y a, je ne sais pas si non, ça ne marchera pas, il y a 2000 ans, les gens y marchaient là. Concrètement, ça veut dire que tous les paysages que vous voyez aujourd'hui, ce ne sont pas des paysages naturels. C'est des paysages qui ont été transformés directement ou indirectement par l'action de l'homme. Sur la côte est, les bords de mer d'il y a 3000 ans sont pour certains d'entre eux à 2 km à l'intérieur des terres et probablement à 10 ou 12 mètres sous la surface du sol actuel. Ici, sur votre droite, vous avez la zone de Vavuto, là où il y a l'usine aujourd'hui. En fait, la presqu'île de Vavuto, il y a 3000 ans, c'était une île. Et tout ce qui crée la presqu'île aujourd'hui, c'est des terres d'alluvion qui ont été arrachées par les feux des collines. Ce premier millénaire avant Jésus-Christ est une période qui se caractérise également par probablement une diversification des traditions linguistiques, même si au départ les gens de Bélep et de l'île des Pins et de Marais ils parlaient la même langue. Comme on n'a pas des contacts extrêmement réguliers, eh bien, au fur et à mesure, les langues vont se diversifier, vont évoluer de façon différente. Mais on est également, durant cette période, avec
une première augmentation démographique qui fait que, au bout d'un millénaire, on a des gens aussi bien sur les bords de mer que dans toute une partie des vallées de la Grande Terre. Mais ce processus va, d'une certaine manière, s'accélérer au premier millénaire après Jésus-Christ. Ce premier millénaire après Jésus-Christ, il est caractérisé d'une part par un changement important, une évolution importante des formes des poteries. Et ces formes des poteries, entre autres ces poteries à anse, on ne les retrouve nulle part ailleurs dans le Pacifique. Si j'insiste là-dessus, c'est simplement pour dire que, en fait, en un millénaire, les processus d'évolution culturelle ont été tels qu'au bout d'un millénaire, les gens sont des autochtones. C'est-à-dire que toutes les traditions culturelles qu'ils développent sont des traditions culturelles qui sont spécifiques à cet archipel. Mais cette période, à cause de la multiplication des brûlis, qui est la logique au fur et à mesure où la population devient de plus en plus nombreuse, eh bien cette multiplication des brûlis commence à entraîner l'épuisement des sols et des tensions sur le foncier. Et ces tensions vont aboutir à une coupure à partir de 100 ou 200 après Jésus-Christ entre la Grande Terre et les îles. À partir de ce moment-là, dans les fouilles qu'on réalise aux îles Loyauté, dans les couches de cette période-là, il n'y a plus d'objets provenant de la Grande Terre. Les gens des îles Loyauté s'isolent. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'apparaissent, entre autres à marée, des structures monumentales, mégalithiques, avec des murs en caucha, des murs en corail, qui peut faire jusqu'à 10 mètres de large, 4 mètres de haut, des centaines de mètres de long, avec des blocs de corail qui ont été artificiellement arrondis et qui peuvent faire jusqu'à 2-3 tonnes chaque bloc. Imaginez-vous le travail qu'il faut pour monter un bloc de 3 tonnes à 4 mètres de haut. Et c'est ces structures-là qui nous permettent pour la première fois de raccrocher les premières traditions mythiques kanak. Parce que sur Marée, les gens disent que ces structures, elles ont été construites par les chefferies d'avant-avant, par les Élétoques. Et les Élétoques, ils sont présentés comme les chefferies extrêmement hiérarchisé, de type pyramidal, où il y avait les chefs tout-puissants en haut, en dessous il y avait l'élite qui donnait les ordres, et puis il y avait le petit peuple qui faisait tout le travail. Et effectivement, les archéologues sont habitués à considérer que quand on commence à avoir des structures de ce type monumental, on a des hiérarchies sociales extrêmement fortes. Ça veut donc dire que vers 200 ans après Jésus-Christ, existait sur l'île de Marée, qui était isolée du reste de l'archipel, un certain nombre de chefferies pyramidales, de type pyramidal, hiérarchisées, qui se battaient les unes contre les autres, et où une partie de l'énergie de la société était mise à la construction de ces grandes structures, d'une part pour leur caractère militaire ou protecteur, mais également, et c'est très important, parce que ça permettait aux chefs d'augmenter leur prestige, de valoriser le prestige de leur chefferie à travers ces constructions. On a certainement eu durant cette période, des fortes tensions sur le foncier, sur la Grande Terre. Certains endroits, comme toute une partie des bords de mer de la côte ouest, semblent en partie ne plus être occupés durant certains siècles du premier millénaire après Jésus-Christ,
comme si l'épuisement des sols faisait que les gens, ils étaient obligés de partir. On a probablement des conflits fonciers. C'est le seul moment dans l'histoire de l'archipel où les gens essayent de s'installer sur les terres rouges des terres à nickel, où on a des gens qui sont installés dans le fin fond de la vallée de la Tontouta, par exemple, alors que tout le monde sait que c'est des sols qui sont extrêmement pauvres, sur lesquels il y a très peu de possibilités de planter. Et c'est cette période-là où on commence à voir un développement important des pétroglyphes. Les pétroglyphes sont probablement réalisés dès le premier peuplement lapita. On a un certain nombre de pétroglyphes dont les motifs se retrouvent sur les poteries lapita. Mais les études sur les pétroglyphes ont montré que toute une partie des pétroglyphes étaient installés dans des endroits stratégiques des vallées. Ligne de crête, bord de rivière, séparation entre deux vallons. Comme si une partie, et je dis bien une partie, des pétroglyphes avait eu comme rôle d'être des marqueurs de bornage ou de foncier. Cette période intermédiaire du premier millénaire après Jésus-Christ est une période finalement instable. Les systèmes issus du premier peuplement ne fonctionnent plus. Il faut donc trouver de nouveaux équilibres. Et c'est dans ce contexte-là que vont émerger toute une série de nouvelles traditions. Excusez-moi. Avant de développer ces traditions, je voudrais insister sur le fait que j'ai essayé de montrer durant les 20 dernières minutes, on vient de faire 2000 ans là, hein. Donc c'est comme aller des Celtes jusqu'à Charlemagne, en 10 minutes, ou 20 minutes. J'ai essayé de vous montrer combien les dynamiques obligent d'une certaine manière, à cause de l'augmentation démographique, à cause de la transformation des paysages, à cause de l'épuisement des sols, comment, au fur et à mesure des siècles, les gens évoluent, changent, se transforment eux-mêmes, transforment leur façon d'occuper l'espace et transforment leur culture matérielle. En ce sens, les sociétés anciennes du pays calédonien, comme toutes les sociétés insulaires, n'ont jamais été des sociétés immobiles. C'est des sociétés qui ne peuvent être que des sociétés dynamiques. Et à partir de là, je vais commencer en fait à vous parler de choses qui vont vous parler, qui vont faire beaucoup plus écho à ce que vous connaissez dans le quotidien. Et même si ça peut surprendre certains d'entre vous, en fait, le cas du pays calédonien est un cas extrêmement réussi d'un processus d'intensification de l'occupation de l'espace autour, entre les 800 ou les 1000 ans avant l'arrivée des Européens. Et ce processus d'intensification de l'occupation de l'espace, en fait, il marque l'avènement d'un nouvel ensemble culturel, et ce nouvel ensemble culturel, c'est l'ensemble culturel kanak. Et je vais défiler devant vous les caractéristiques principales que l'archéologie permet de faire ressortir. Quel est le problème principal auquel ont à faire face les agriculteurs durant la deuxième moitié du premier millénaire après Jésus-Christ? Le problème principal, c'est l'épuisement des sols. Donc dans un premier temps, on se tape dessus, probablement, les gens se déplacent, les gens essayent de s'installer dans les endroits reculés, mais on a affaire à des horticulteurs, des gens de la terre, qui finissent par comprendre à un moment donné que le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de monde par rapport
à une terre qui est peu fertile, mais c'est que la terre est mal utilisée et que la technique ancestrale du brûlis est une technique qui ne peut pas être viable à long terme. Et du coup, va se faire une transformation, une invention, en fait, d'un mode nouveau d'utilisation de la terre qui va être un mode de protection de la fertilité de la terre. Et ce mode, il va se traduire de deux façons différentes. La première, ça va être pour la culture humide, principalement du tarot d'eau, élément féminin, qui probablement pendant 1500 ans a été planté dans les zones marécageuses. Eh bien, les gens vont en fait passer des zones marécageuses à des zones marécageuses artificielles. C'est quoi des zones marécageuses artificielles ? C'est des terrasses de taraudières qui sont sur le même principe que la rizière, c'est-à-dire on capte de l'eau et on irrigue un espace artificiellement réalisé à flanc de colline. Et puis au bout de la terrasse, vous avez de l'eau qui ressort, histoire d'éviter que cette eau stagnante finisse par chauffer, ce qui bien entendu créera fera pourrir le tarot. Et la même idée est faite pour l'élément mâle sec qu'est l'igname. Les sols horticoles plats devaient être relativement peu épais. Et pour augmenter le rendement des ignames, eh bien les gens ont commencé à gratter ces sols pour faire des buttes. Les buttes, c'est quoi ? C'est des billons. Mais autant quand vous plantez dans un sol directement ou dans un marécage, vous pouvez faire ça avec juste papa, maman, les deux enfants. Autant quand vous commencez à faire des terrasses de taraudière et des grands billons d'igname, papa, maman, les deux enfants, c'est plus suffisant comme force de travail. Il va donc falloir que vous appeliez les cousins, les tontons, pour être plus nombreux. Et ce processus de création de ces structures agricoles artificielles va nécessiter une transformation dans l'organisation sociale. La famille nucléaire va plus suffire. Il va falloir créer quelque chose d'au-dessus. Cette chose au-dessus, ça va être le clan. Et pour pouvoir se maintenir dans des espaces où on a mis énormément d'énergie et où donc, eh bien, on va s'enraciner, on va devenir des sédentaires, on va être obligé de créer au-dessus des différents clans un système de contrôle qui va être la chefferie. Les taraudières, ou ce qu'il en reste, vous les voyez sur les bords des routes quand vous circulez sur la Grande Terre. Mais relativement peu de Calédoniens, et entre autres en particulier les Kanaks, savent que nulle part ailleurs dans le Pacifique, d'autres océaniens ont fait des terrasses de taraudières avec une technologie aussi complexe. Ce sont les Kanaks qui ont développé de façon la plus compliquée cette technique horticole. Et s'ils l'ont développé, parfois sur des pentes à 65 degrés, 65 degrés, ça veut dire que vous avez un muret de soutènement de 2 mètres de haut pour un espace de culture qui ne fait que 1 mètre de large. C'est ça que ça veut dire. S'ils l'ont développé de façon aussi intensive, c'est pour répondre à une contrainte climatique. On sait tous que dans ce pays, régulièrement, il y a des sécheresses longues.
Mais les gens avaient compris, sur la Grande Terre, que même à la pire sécheresse, il y avait toujours de l'eau qui coulait au pied des montagnes de terre rouge. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les plateaux de péridotite, c'est une couverture, c'est une chape du fond marin. Cette chape, elle est très poreuse. Et donc, quand il pleut, l'eau rentre, mais quand elle arrive sur la roche-mère, ben, elle n'arrive pas bien à rentrer dans la roche-mère. C'est-à-dire que cette eau, elle va couler jusqu'au pied des péridotites. Ça représente une réserve d'eau absolument monumentale qui va couler encore pendant 1, 2, 3 ans, même si pendant 3 ans, il ne pleut pas. Et les gens avaient compris ça et ont développé au pied des péridotites des ensembles de terrasses de taraudières qui, pour certaines d'entre elles, je vous prends l'exemple le plus près de Nouméa, col de la pirogue, démarrent à 40 mètres au-dessus de la surface de la mer et montent au niveau du col jusqu'à 450 mètres de haut, c'est-à-dire juste avant le plateau de péridotite. Ça représente simplement sur la région de Païta plus de 1200 hectares de terrasses de taraudières recensées jusqu'à présent. On peut penser, en regardant des paysages comme ça, qu'en fait, ben, il suffisait d'avoir une canalisation d'eau et puis on irriguait tout. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au fur et à mesure où l'eau passe dans les terrasses de taraudières, elle dépose ses nutriments naturels. Conclusion, au bout d'une dizaine de terrasses, en fait, l'eau, elle n'a plus rien à donner à la terre. Il faut l'évacuer. La conclusion, c'est que quand vous avez 80 niveaux de terrasses de taraudières, vous avez besoin entre 8 et 10 canalisations d'eau pour pouvoir au fur et à mesure alimenter. Et certaines de ces canalisations d'eau peuvent faire jusqu'à 10 km de long. C'est-à-dire qu'il fallait fabriquer les terrasses, mais il fallait surtout fabriquer les canalisations d'arrivée d'eau, qui ne devaient pas être trop penchées, parce que s'il y avait trop d'eau, ça allait tout emporter, et qui ne devaient pas être trop horizontales, parce que quand il n'y avait pas beaucoup d'eau qui coulait, ça risquait de s'assécher. Du côté de Bangou, les gens, ils ont creusé dans la pierre bleue, tous ceux qui ont utilisé de la dynamite ou un bulle savent la force de la pierre bleue. Les gens, ils ont passé une canalisation dans de la pierre bleue sur 10 mètres de long. Au bout de 1000 ans, à force de génération à génération faire des terrasses, voilà ce qu'on aboutit comme type de paysage. Mais les terrasses de taraudières, ce n'est pas ce qui couvre l'espace le plus important. Ce qui couvre l'espace le plus important sur la Grande Terre, c'est les billons sur lesquels vous voyez le bétail. Et puis, toutes les buttes que vous voyez là, autour des cocotiers, eh ben, ce sont des terres de cases. Ça vous fait des paysages comme ça. Alors, peut-être que vous ne les voyez pas, mais là, vous avez les ronds des terres de cases. En dessous, vous avez les terrasses de taraudières. Et puis, au-dessus, vous avez les billons d'igname. On est tout derrière Bopop, sur la transversale Koné-Tiwaka. Ici, dans la plaine de la Tiwaka, tous les ronds que vous voyez là, ce sont des terres de cases. On reviendra à Tiwaka tout à l'heure. Et puis là, vous êtes dans la Chamba. Toutes les flèches là correspondent chacune à un terre de cases. Alors encore une fois, je ne vais pas vous faire
une présentation extrêmement longue, mais simplement pour vous dire, donner une idée de la densité de ces structures d'habitat. Quand on a fait un inventaire sur la transversale Konetiwaka lors de la construction de la route, dans certaines zones en plein milieu de la chaîne, autour de Bopop, on avait un site d'habitat à peu près tous les 100 à 200 mètres. Dans une zone du centre de la Grande Terre, du centre géographique entre côte est et côte ouest, où les anthropologues, les historiens, les géographes ont toujours considéré que l'occupation kanak avait été extrêmement faible parce que, d'après eux, les kanaks étaient principalement sur les côtes, dans les plaines et sur les premiers contreforts des vallées. Là, dans un endroit où il était censé y avoir très peu de monde, en fait, nous, on a des sites partout. Ce qui m'amène à l'exemple de la basse vallée de la Tiwaka. Vous tous là, vous êtes tous passés devant cette plaine, juste avant d'arriver en bord de mer. J'ai mis les flèches pour vous montrer tous les ensembles de billons. Quand vous êtes ainsi, je savais que je devais vous montrer quelque chose. Excusez-moi. Le rond là, c'est une voiture, pour que vous ayez une échelle. Ça, c'est ce qu'on voit du bord de la route, l'ancienne propriété Souris Lavergne. Ça, c'est la photo, un bout de photo aérienne. Et puis ça, c'est le relevé à partir de la photo aérienne. Là, on a à peu près 35 hectares. 35 hectares, ça ne vous dit rien, comme ça. Mais dans notre étude, on a décidé, au lieu des 35 hectares, de créer un billon agricole virtuel, en mettant chaque billon les uns derrière les autres, pour n'en faire qu'un seul. Le résultat, c'est un billon qui fait à peu près 4,50 m de large, 1,20 m de haut et 17 km de long. Alors, là arrive le gros problème de l'archéologie calédonienne. Parce que si vraiment le chiffre de 40 000 Kanaks à l'arrivée de James Cook sur la Grande Terre est exact, et les 40 000 Kanaks, je ne les mets pas sur l'ensemble de la Grande Terre, mais comme je suis archéologue, j'ai le droit, je les mets juste sur un tiers de la Grande Terre. Pourquoi ? Un tiers de la Grande Terre, c'est les péridotites, personne n'y vit. Un autre tiers, on va dire, c'est les forêts, les montagnes, les machins, les hauts plateaux, etc. Pof. Donc juste un tiers. Mais figurez-vous que si on met les 40 000 Kanaks supposés sur un tiers de la Grande Terre, tout ce que vous voyez là, ça aurait été fait par moins de 4 personnes. Femmes, enfants, vieillards compris. Alors, deux solutions. Soit les Kanaks, ils étaient un peu chiés, quoi. Travaillaient comme des fous, pour rien. Soit, plus sérieusement, le chiffre de 40 000 Kanaks, il pose problème. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que, en fait, partout où on va, il y a des traces. Même à des kilomètres et des kilomètres de la dernière tribu, il y a des traces. Il y a des murs, il y a des murets, il y a des foyers, il y a des terres de case. Et puis, même dans des endroits paumés, il y a des trucs qui sont énormes.
Regardez la photo du milieu. La photo du milieu, ça c'est Jacques, il est là, là. Et puis les autres collègues. En fait, ils sont sur un terre de cases. Mais le terre de cases, il fait 2,50 m de haut. Et puis il fait 25 mètres de large. Et en fait, ce que vous avez là, là, c'est une allée. Ce que vous avez devant vous, c'est l'allée. Et puis moi, je prends la photo, je suis sur le tertre en face. Le tertre sur lequel je suis, c'est le tertre qui est attribué à Goa. Et le tertre là en face, c'est le tertre qui est attribué à Boirat. À l'horizon, là-bas, vous avez la vallée de la Tipinjé. Avec un tertre de cases aussi grand, la case, elle faisait probablement 30 mètres de haut. C'est-à-dire qu'elle pouvait être vue jusque dans la vallée de la Tipinjé. Ça, c'est le signe clair d'une hiérarchie sociale, d'une société à forte hiérarchie. L'émergence de l'ensemble culturel traditionnel kanak, il est marqué également, autour de 1000 ans après Jésus-Christ, par la réouverture des axes avec les îles Loyauté. C'est-à-dire que dans les couches archéologiques, à partir de 1000 ans après Jésus-Christ, aux îles Loyauté, on commence à avoir plein d'objets provenant de la Grande Terre. Mais ces objets, ils viennent du sud de la Grande Terre. Alors que 1000 ans plus tôt, il venait du nord de la Grande Terre. C'est-à-dire que se met en place, durant cette période, des axes d'échange qui ne sont pas les anciens axes d'échange qu'on remet en place, mais qui sont des axes d'échange qu'on invente. Et ces axes d'échange, ils sont mis en place dans le cadre de la définition de nouveaux échanges coutumiers, mais également d'échanges économiques. Sur la Grande Terre, on a de la pierre. Sur la Grande Terre, on fabrique des poteries. Aux îles Loyauté, on fabrique des nattes. Aux îles Loyauté, on fabrique des hameçons. Et cette période, elle est également marquée par l'invention de nouveaux objets qui vont servir de support à ces échanges. C'est à partir de ce moment-là qu'on a, dans les sites archéologiques, les premières traces d'objets qui sont les petits pendentifs des monnaies kanak. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de monnaie. Au contraire, avant, il y avait des monnaies. Mais ces monnaies, elles n'étaient pas les monnaies kanak. Elles étaient d'autres monnaies en coquillage. C'est à partir de 1000 ans après Jésus-Christ qu'on a les premières traces des haches ostensoires. Et ces haches ostensoires, l'archéologie permet aujourd'hui de démontrer qu'elles ne venaient pas toutes de l'Iloin. Ce que les Kanaks ils ont raconté à Maurice Lennart, c'était juste une toute petite partie de l'histoire du cycle du jade. En fait, on a probablement au moins 5 sources différentes de jade sur la Grande Terre. Et donc, la complexité des échanges de ces haches ostensoires, probablement dans 20 ou dans 30 ans, quand on aura fait assez de fouilles, en fait, cette histoire deviendra beaucoup plus complexe que le schéma très simple de Maurice Lennart, avec des pierres qui partaient de l'Iloin, qui partaient sur Yaté et l'île des Pins pour être mises en forme avant d'être envoyées aux îles Loyauté, puis de revenir par Puebo et Yinguen sur la Grande Terre. Mais parce qu'on a une période ouverte, parce qu'il y a la circulation de tous ces objets et de tous ces gens, parce qu'il y a des gens d'ici qui partent ailleurs, on a par exemple des tertres de cases rondes
dans la vallée de Singatoka à Fidji, eh bien, on a également des gens d'ailleurs qui viennent ici, que ce soit du sud du Vanuatu, avec le réseau Khitiwan, que ce soit les Wallisiens, que ce soit les Tongiens. C'est-à-dire que l'archipel calédonien fait partie d'un ensemble de réseaux beaucoup plus ouverts, avec une porte d'entrée principale, et cette porte d'entrée, c'est IAI, c'est OUVEA. C'est la plaque tournante OUVEA de l'arrivée des étrangers qui ensuite vont se répartir à travers l'archipel calédonien. Il me semblait important de rappeler également que c'est durant cette période-là que l'archéologie signale l'occupation des plateaux latéritiques, des domaines miniers. Alors les gens, ils n'y vivent pas, soyons bien clairs. Mais les gens, ils montent sur ces plateaux pour faire des rituels. Les gens, ils montent sur ces plateaux pour faire des échanges entre ceux du bord de mer et ceux de l'intérieur. Et par exemple, sur la presqu'île de Bogota, à Canala, vous avez des dizaines de milliers de ces tas de pierres, avec parfois des allées comme ça marquées, comme là-bas à droite. Et ces tas de pierres, ils sont datés grâce aux coquillages qu'on a trouvés entre 1000 ans après Jésus-Christ et puis le milieu du 19e siècle. Et les traditions orales sont très claires sur leur sens. En fait, c'est des marqueurs du souvenir des échanges qui se faisaient entre les gens du bord de mer et les gens de la plaine à l'arrière. Les gens du bord de mer, ils amenaient du sel. Parce que essayez de manger des taros et des ignames si vous n'avez pas de sel. C'est triste. Ils amenaient du poisson fumé. Et les gens de l'intérieur, ils amenaient des taros de montagne. Ils amenaient des anguilles. Ils amenaient des notous. Et à chaque échange, on marquait par un tas les échanges qui avaient été réalisés. C'est également vers 1000 ans après Jésus-Christ que on voit archéologiquement la dernière transformation des formes de poterie. Et ces formes de poterie vont perdurer jusqu'à l'arrivée des Européens. Et c'est celles que vous trouvez dans les musées, qu'on appelle des marmites Kanak. Et puis c'est une période extrêmement riche en pétroglyphes, en peintures pariétales. Et je me disais, pour terminer cette partie, que j'avais envie de vous faire un petit cadeau. C'est notre dernière découverte, ou notre dernière étude avec l'équipe. Ça, c'est des gravures dans le nord de la Grande Terre. Il y en a des centaines. Regardez, là, vous avez des femmes qui sont en train de danser. Et puis là, vous avez un homme qui probablement... et l'ordonnateur de la danse. Et puis là-bas, vous avez des flèches fêtières. Puis sur ces flèches, il y a des choses qui sont accrochées. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Voilà. Et c'est dans ce contexte dynamique d'un espace insulaire à multiples relations et avec des occupations denses, qu'arrivent de l'horizon des pirogues sans balancier. Alors pour beaucoup d'historiens et d'anthropologues, cette arrivée des premiers Européens pour des contacts sur la plage de quelques heures ou de quelques jours sont considérés comme des épiphénomènes. Les Européens, ils arrivent et puis ils repartent. Ils ont laissé quelques
à quelques chaînettes, ils ont laissé éventuellement une ou deux haches et puis quelques clous, et puis les gens ils reprennent leur vie normale. Ben, en fait, l'histoire elle est beaucoup plus triste que ça. Elle est beaucoup plus tragique que ça. Parce que les Européens, ils n'arrivent pas uniquement avec des clous. Ils arrivent avec la grippe, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, sans parler de la syphilis. Et ils parlent pendant les quelques heures ou pendant les quelques jours avec des gens qui n'ont jamais vu la grippe, qui n'ont jamais été en contact avec ces bacilles et ces virus. Et la conséquence de l'arrivée, même pendant quelques heures, de ces bateaux, c'est que quand ils repartent, eh ben, ils laissent des bacilles et des virus derrière eux. Et que ces virus, eh ben, ils impactent sur la démographie à travers des épidémies, qui sont des épidémies mortelles, et qui vont avoir des conséquences absolument catastrophiques sur les Océaniens, après avoir impacté de façon tout aussi dramatique les habitants du continent américain. Je ne vous parlerai pas de l'archipel calédonien, parce qu'en fait, on ne sait pas quel a été cet impact. On travaille dessus. Mais je suis obligé de vous donner les données beaucoup plus sûres qu'on a sur d'autres régions du Pacifique. La moyenne des chutes de population dans les îles qu'on a pu bien étudier tourne autour de 80 à 90%. Et puis dans certains endroits, c'est 95, parfois 96%. Aux îles Marquises, on est à 96%. Pour être très clair, ça veut dire que là où vivaient 100 personnes, au bout d'un siècle, à un siècle et demi, il n'y a plus que 4 personnes. C'est le cas également d'Anatome, l'île la plus au sud de l'archipel du Vanuatu, c'est-à-dire l'île la plus proche de l'archipel calédonien. Les conséquences, eh bien, c'est une déstructuration des sociétés, l'émergence de guerres, parce que les gens ils comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, c'est des boucans. On a envoyé des maladies. Il y a bien quelqu'un qui a envoyé la maladie. Donc, c'est peut-être, ça doit être les gens de l'autre vallée. Donc, pour essayer de contrecarrer le mal, on va aller attaquer les gens. Et on se retrouve avec des sociétés qui étaient en équilibre relatif et qui plongent un peu partout à travers le Pacifique dans un état de guerre, de famine. On a, entre autres en Calédonie, à ce moment-là, l'apparition de l'anthropophagie. On a cherché, hein, au bout des 30 dernières années, là, on a cherché des traces d'anthropophagie qui datent d'avant l'arrivée des premiers contacts. On n'en a pas. On n'en a pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais ça devait être, si ça existait, tellement peu répandu que l'archéologie, pour le moment, n'en trouve plus trace. La conséquence est également une conséquence de déstabilisation politique. Et les traditions orales kanaks sont extrêmement claires pour montrer qu'au moment où les Français arrivent, on a dans certaines régions de la Grande Terre des nouvelles chefferies qui viennent de s'installer avec des gens qui ont pris le pouvoir militairement et non pas coutumièrement, en profitant de l'instabilité pour en fait s'accaparer le pouvoir. Et puis, ben, la réalité, c'est que l'acceptation de la religion chrétienne, elle doit être comprise également dans ce contexte d'instabilité et de chute de population. Quand les missionnaires ils arrivent, ils ne parlent pas la langue.
ils sont dans l'urgence. On le voit dans les lettres. Ils sont dans l'urgence, les gens, ils meurent. Leur seule façon d'essayer d'avoir un échange, c'est à travers des images. Et entre autres, pour les catholiques, les images, c'est quoi ? C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est Jésus en croix. Et que disent les missionnaires ? Les missionnaires, leur objectif, c'est il faut que vous soyez baptisés avant de mourir, parce que sinon vous allez aller en enfer. Je caricature à peine. Et les gens, ils ne sont pas idiots. Les gens, ils disent, mais attendez, là, eux, ils arrivent là, et puis ils nous parlent de mort alors qu'on est en train de mourir. Ben voilà pourquoi on meurt. En fait, ils nous ont envoyé leur super Dieu, là, pour montrer sa puissance. Donc, si on fait coutume avec eux, on sera protégé. Le premier nom donné à Jésus, il y a un super article de Charles Illouz là-dessus, le premier nom qui est donné à Jésus en langue de Marée, c'est une traduction à peu près bricolée, super Dieu, super grand Dieu cannibale. C'est-à-dire que les gens de Marée, ils ont transposé une terminologie d'un dieu à eux pour le donner à la figure du Christ. Et vous voyez que le processus de conversion est en fait un processus qui ne peut se comprendre que par rapport au contexte de dépopulation du moment. Et pour les Kanaks, à partir des années 1850, au-delà de tout ce que je viens de dire, vient se superposer là-dessus une autre décision prise à Paris, qui est celle de considérer cette colonie comme une colonie de peuplement. Contrairement à Tahiti, contrairement à Wallis et Futuna, dans l'histoire coloniale française, il y a deux colonies de peuplement, l'Algérie et la Calédonie. Mais comme c'est tellement loin et que les colons libres ne veulent pas venir, la France, comme vous le savez, va copier l'Australie qui vient de fermer son bagne et va y installer des bagnards. C'est-à-dire qu'on va créer une colonie de peuplement ici avec des gens qui arrivent les chaînes aux pieds et qui n'ont jamais demandé à venir. Puis pour être bien sûr qu'ils ne vont pas repartir, on va faire une loi qui fait que tous les bagnards qui sont condamnés jusqu'à 8 ans, 7 ans, doivent faire le double de leur peine dans le pays, et que tous ceux qui sont condamnés à 8 ans et plus n'auront jamais le droit de rentrer en France ou en Algérie. C'est-à-dire qu'on va forcer les gens à rester là malgré eux. Mais la colonie de peuplement, c'est une colonie pensée sur un modèle agricole. Et on ne peut donc, dans l'histoire du pays, pas séparer le bagne des spoliations foncières. S'il y a autant de spoliations foncières, c'est parce qu'il faut y installer des bagnards. Et du coup, se crée le double drame de ce pays, qui est le drame de la colonisation pour les Kanaks, et qui avait été joliment appelé le robinet d'eau sale du bagne, avec toute une partie des colons, qui sont en fait des colons malgré eux. La spoliation foncière va durer jusqu'à la fin du XIXe siècle, même le début du XXe siècle, et correspond à la période où les Européens peuvent mesurer la dépopulation kanak. Et cette dépopulation, elle va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale, où il ne restera plus sur la Grande Terre qu'environ 20 000 kanaks.
avant de tout doucement remonter. Les gens, ils sont enfermés dans leurs réserves, souvent éloignés de leur terroir ancien, des terroirs anciens qui étaient peut-être des terroirs relativement nouveaux, parce qu'ils avaient déjà été déplacés par les crises de la première moitié du XIXe siècle, quand les Français n'étaient pas encore là. Mais toute la première moitié du XXe siècle va être une période d'enfermement, avec des gens qui ont perdu, quelques années ou quelques décennies plus tôt, leur foncier, qui voient bien qu'ils sont peu nombreux, et qui vont devoir réorganiser leur discours parce que la manière dont tiennent les Kanaks durant cette période-là, on le voit bien en lisant Lennart, c'est avec l'objectif d'un jour récupérer la terre. Mais vous faites comment quand vous avez perdu toute une partie de votre démographie pour pouvoir revendiquer des grands espaces? Eh bien, vous vous adaptez à la manière dont les Blancs y vous pensent. C'est-à-dire que chacun devient chef chez soi. Et ça a été la grande difficulté de quelqu'un comme Jean Guillard, qui n'a jamais réussi à bien comprendre toutes les traditions qui lui étaient données au niveau du foncier de la Grande Terre. Ben, ce n'était pas parce qu'il était idiot, mais c'était tout simplement parce que ce qu'il récoltait, c'était des informations qui avaient été retravaillées, reconfigurées, dans l'optique d'une future restitution des terres. On fait quoi avec tout ça? Parce qu'en fait, si dans le titre on a mis controversé, c'est parce que vous l'acceptiez ou pas, on n'a pas encore d'histoire du pays calédonien que tout le monde partage. Suivant qui vous êtes, vous avez une approche différente du passé calédonien. Vous avez un sentiment différent par rapport aux événements. Et probablement, votre approche n'est pas celle de vos grands-parents, parce que votre approche du passé, elle s'inscrit dans votre vécu, mais également dans la société dans laquelle vous vivez. Et du coup, comme en Calédonie, on n'a pas de discours officiel sur l'histoire, eh bien, chacun fait un peu les interprétations qu'il veut. L'objectif de ma présentation de ce soir, c'était de vous donner un certain nombre de faits. Mais chacun d'entre vous, quand vous allez quitter cette salle, vous allez reconfigurer ce que je vous ai dit de façon différente. Vous en avez parfaitement le droit et c'est parfaitement normal. Néanmoins, je voudrais souligner que au-delà de votre reconfiguration personnelle, eh bien depuis toujours, les États se sont construits en définissant de façon officielle un mythe d'origine, une racine. La Troisième République a créé le mythe de nos ancêtres les Gaulois.
Pourquoi nos ancêtres les Gaulois ? Jusqu'à la Révolution française, ce n'était pas difficile. La royauté était issue de Clovis, c'était des envahisseurs qui avaient écrasé les indigènes, les Gaulois romanisés, et donc il y avait la noblesse et puis il y avait le petit peuple. Ça a marché pendant 1300 ans. Après la Révolution française, quand tout le monde devient égal, eh bien, il faut inventer quelque chose d'autre. Puis surtout, on est en période de déchristianisation. Et puis le grand ennemi de la France du XIXe siècle, c'est les Allemands. Alors vous ne pouvez quand même pas avoir une origine liée aux Teutons. Et donc Napoléon III crée les fouilles archéologiques pour aller fouiller chez les Gaulois, dans des sites gaulois, pour retrouver des casques, des épées. Et puis il va chercher quelque chose qui va pouvoir faire cohésion et il va créer les Gaulois. Alors que la première page de la guerre des Gaules de Jules César, qui crée les Gaulois, est très claire. Il n'existe pas de nation gauloise, il y a quatre pays gaulois. L'invention de nos ancêtres les Gaulois est donc une fabrication de la Troisième République qui a marché, puisque même ma grand-mère ici, on lui a appris les ancêtres, nos ancêtres les Gaulois, même les Kanaks, ils ont eu droit à nos ancêtres les Gaulois. L'objectif n'était pas la vérité historique, l'objectif était de créer un mythe fondateur. Comment on crée un mythe fondateur quand vous avez 32 langues, quand vous avez des gens qui se sont combattus entre chefferies et clans et que vous n'avez jamais eu d'unité ancienne ? La question s'est posée aux élites kanak des années 60 et du début des années 70. Et Jean-Marie Tjibaou, il est allé chercher une figure dans l'ère Païti. C'était un kanaké. Il avait besoin d'une figure qui rassemble les kanaks. Il est allé chercher une figure régionale et il en a fait une figure nationale. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, la notion de peuple kanak reste une notion avec un sentiment d'ethnicité. Et du coup, la question qu'on est très nombreux à se poser, c'est dans le contexte actuel de ce début du XXIe siècle. Est-ce que les symboles identitaires kanaks sont vraiment reconnus par les autres communautés culturelles comme des éléments partagés ? Si on fait un peu le bilan, on se rend compte que, en fait, ce qu'on a vécu sur les 30-40 dernières années, c'est qu'en contrepoids de l'identité kanak, on a vu apparaître ou revendiquer d'autres symboles identitaires spécifiques dans chacune des communautés que forme ce pays. Au cours des 30 dernières années, ce qui a été valorisé, c'est les référents identitaires des communautés. Mais ce processus, s'il a mis en valeur chacune des communautés du pays,
Ce processus, il a mis en valeur de façon autonome chacune de ces communautés, sans que réellement ne se fassent des passerelles. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher de se poser la question, est-ce que c'est la fin ? Est-ce que c'est une fin en soi d'avoir des communautés qui sont assises les unes à côté des autres ? Et comment demain, on va créer un discours officiel pour la communauté calédonienne ? Je suis d'expérience, et il doit y avoir des enseignants dans la salle qui seront, j'espère, d'accord avec moi, profondément convaincu que si on veut créer une communauté de destin, ça passe avant tout par l'école. Et je vais vous raconter une petite histoire. Dans les années 90 et 2000, on faisait des classes patrimoine, c'est-à-dire qu'on emmenait les élèves pendant... 5 jours sur des fouilles. C'était tout mélangé. Et puis un jour, on était en train de fouiller là-haut, sur un site à Pindai, avec, ça c'était milieu des années 90, et puis il y avait un petit jeune là. Et puis à un moment, c'était un site qui remonte à peu près 2000 ans. Puis un petit jeune, il était en train de fouiller, petit caldoche là, de brousse. Il me dit, monsieur, là, ça c'est mon histoire, hein. Je le regarde, je dis, c'est quoi ton nom, toi? Puis il me dit son nom, et puis bon, c'était une famille, on savait de quel côté des barricades ils étaient en 84. J'ai dit, t'es sûr que c'est ton histoire, fils, là? Il dit, oui, monsieur, oui, c'est mon histoire, parce que moi, je suis d'ici. Puis 15 jours plus tard, on faisait une classe patrimoine à Terrimbas, site du Bagne, là en bas, là. Et puis, une petite de Lifou, en train de gratter. Elle dit, monsieur, c'est choc, hein. Et vous savez, hein, cette histoire-là, c'est la mienne. Hein. J'ai dit, ah oh, ma fille, mais toi, t'es de Lifou, toi. Il n'y a pas de bagne à Lifou. Mais non, monsieur, c'est pas ça. C'est, nous, on est des enfants d'ici. Donc ça, c'est ici, donc ça, c'est mon histoire. En fait, les jeunes, ils nous donnaient une super leçon. Ils avaient déjà fait le mythe. Eux, ils étaient en capacité de créer le mythe, de passer au-delà de l'histoire réelle pour s'approprier collectivement une partie de l'histoire de l'autre. Et on ne peut que constater qu'il y a des évolutions. Ça, il y a 40 ans, ce n'était pas possible. Les Kanaks ne nous auraient pas invités à porter le rameur. Et puis probablement, nous, on ne serait pas venus le porter. Mais en même temps, j'ai fait exprès de mettre le préambule pendant que vous rentriez dans la salle tout à l'heure. Il serait criminel de croire que on est tous prêts à faire le pas décisif vers l'autre. La réalité, c'est que la société calédonienne, elle continue à être marquée par un certain nombre de blocages persistants et que s'approprier collectivement, tous ensemble, la même histoire demande encore du courage politique. Ceci m'amène à ma conclusion. Mon objectif principal était de vous montrer que on ne peut pas réduire l'histoire à 2-3 schémas faciles, simples. On était là avant. Oui, mais nous, on était plus civilisés. Oui, mais nous, on vous a battus. Oui, mais nous, on a revendiqué. L'histoire, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Mais dans ce pays,
les mémoires, toutes les mémoires, elles sont marquées dans les paysages. Je suis convaincu que la prochaine fois que vous allez monter en brousse, vous allez regarder différemment les paysages, et puis vous allez dire, hey, mais il y a des terrasses de taraudière là. Comme il a dit le monsieur l'autre jour au centre culturel. Parce que les traces du passé, elles sont partout. Elles marquent les paysages de ce pays. Et puis, ben, soyons honnêtes, notre histoire, elle continue à être terriblement morcelée. Mais en même temps, si on fait tous un petit effort, et puis si nos hommes politiques, ils nous donnent un petit coup de main, ben, quelque part, ce patrimoine, il peut finalement assez facilement être partagé entre tout le monde. Du coup, je voudrais terminer avec une histoire. Ce vieux-là, c'est un vieux du fond de Guapa. Il a une histoire qui résume toute la complexité du pays. C'était le dernier païen de la région de Guapa, là-bas à Poya. Il est né dans les années probablement 1880. Et puis, quand il était jeune, il y a eu une épidémie qui a éclaté dans sa tribu. Toute une partie des gens qui sont morts. Et les chefs, ils ont dit, là, là, ça c'est les esprits qui nous envoient un message, on a dû faire quelque chose qui n'était pas bon, on va partir. Puis ils sont descendus. Et puis il y a une autre épidémie qui a éclaté, et puis il y a d'autres gens qui sont morts. Puis là, il y a les chefs qui ont dit, ça, ça doit être les vieux, ils ne doivent pas être contents parce qu'on les a abandonnés tout seuls là-haut. Et lui, il était jeune, vers les années 1910. Et il est allé voir les chefs, puis il leur a dit, vous savez, moi, je vais remonter là-haut pour apaiser les esprits, pour apaiser tous les vieux qui sont là-haut dans les arbres. Puis il a passé toute sa vie quasiment tout seul dans sa tribu. Puis au début des années 1950, il a senti que la fin approchait, et puis il a fait envoyer un message au missionnaire qui était à Poya, pour lui dire qu'il voulait se faire baptiser. Le missionnaire, il est monté avec Luc Chevalier, ancien directeur du musée de Nouvelle-Calédonie. Il est monté à cheval. Puis il est arrivé chez le vieux, là. Et puis, ils ont discuté, ils ont parlé. Puis, au moment où il devait se faire baptiser, il a dit, non, attendez, faut pas faire ça vite. Puis il s'est levé. Puis il a pris sa bouteille où il y avait tous les feuilles magiques dedans. Puis il a fait tout le tour de la tribu à parler à tous les esprits qu'il y avait dans les arbres. À leur dire, voilà, moi je vais devenir chrétien. Vous, votre temps à vous, il est terminé. Maintenant, il faut que vous nous laissiez la place. Il faut que vous donniez la possibilité à nous, et puis à nos enfants, et puis à nos petits-enfants, de regarder vers l'avant. On ne va pas vous oublier. Mais arrêtez de nous peser sur les épaules. Puis il a fait tout le tour, puis il est rentré, il est revenu, puis il a dit au missionnaire, maintenant tu peux me baptiser. Puis quelques mois plus tard, il est mort. C'était le dernier païen. Voilà. Ça fait l'accueil. Merci pour le merci, comme on dit. Les micros vous sont désormais ouverts après cette conférence absolument passionnante. De part et d'autre de la salle, on peut vous tendre
les micros pour une question. Donc c'est à vous. Avant de répondre aux questions, je voudrais simplement rajouter que ce travail, ce n'est pas un travail d'une personne. C'est le travail d'une équipe. Un archéologue tout seul, il ne fait rien. Et donc, je voudrais associer à cette présentation de ce soir la vieille équipe. Il y a Jacques Boulet qui est là, John Wicho, David Barré. Et puis... voilà, les petits jeunes de la génération qui suit derrière, les petits jeunes calédoniens qui prendront la relève de nous, bientôt, on part à la retraite. Voilà. Allez. Corinne, il y a une question juste là. Vous voulez bien lever la main, madame ? Est-ce que vous pourriez lever la main pour vous signaler ? Pour le micro ? Bon, alors, on va prendre une autre question. Monsieur ? Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, moi, l'état de pierre, ils étaient proportionnels à la taille de la coutume qui s'est changée sur les crêtes ou... Alors, les gens de Nakiti, ils racontent que chaque caillou, ça représente un objet échangé. C'est-à-dire que s'il y avait 200 poissons qui étaient échangés, ben, il y avait 200 cailloux. Alors... nous, on est un peu impressionnés parce qu'il y a certains tas de pierres, ils font 2,50 m de haut sur 4 mètres à la base. Donc, ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup de notous ou alors beaucoup, beaucoup de poissons. Il y a un grand chasseur là devant, là, donc dès que j'ai dit notous, il a fait « Ouh !» Mais effectivement, la tradition orale, elle raconte que la taille des tas est proportionnelle, en fait... Au nombre d'objets échangés. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sand, d'abord respect et humilité à vous et à votre équipe. Tout à l'heure, vous avez fait un geste avant de commencer votre... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de parler ici, dans cette salle. Mais le geste que vous avez fait, un geste d'humilité, je pense que vous l'avez déjà fait ici au Centre culturel. Et je m'excuse, je me permets au nom de tout le monde ici de vous remercier pour le geste de respect et d'humilité, ainsi que votre équipe, à tous ces gens-là qui sont aujourd'hui présents pour vous écouter. Merci beaucoup pour le geste. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christophe. Dans l'archéologie, est-ce que vous avez aussi... je pense que vous n'avez pas parlé des sépultures. Oui, c'était fait exprès. Quand j'ai parlé de Sarrasin, j'ai mis une image, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu dérangés quand on montre des images de gens, de squelettes. Quand j'ai préparé cette présentation, je savais que déjà il y avait des gens qui peut-être n'allaient pas être très très contents de ce que j'allais dire, et donc ça me semblait inutile de mettre des images que certains pourraient prendre de façon offensante ou un peu comme du voyeurisme. Jacques, il est là. Jacques, c'est le seul Mélanésien
Quand je dis mélanésien, ça va de Fidji jusqu'en Nouvelle-Guinée. C'est le seul qui soit spécialisé dans la fouille des sépultures. On étudie les sépultures en archéologie. Mais on étudie aujourd'hui les sépultures en Calédonie de façon différente de la manière dont ça s'est fait dans le passé. Je m'explique. Quand on trouve de la poterie, on met la poterie ou les tessons de poterie dans un plastique et puis on ramène ça au laboratoire. Pendant longtemps, quand il y avait des ossements humains qui étaient trouvés, les archéologues ils faisaient pareil, ils mettaient dans un plastique et puis ils ramenaient ça au laboratoire. Quand on a commencé le département archéologie dans les années début des années 90 avec John Wecho et puis ensuite Jack, on avait dit on ramasse pas les ossements humains. C'est bon, c'est rempli, il y a plein de musées où il y a plein d'ossements de Kanak, tout ça, il n'y a pas besoin. Sauf quand il y a le bulle qui passe et qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais voilà. Vous savez qu'aux îles Loyauté, il y a plein de cimetières dans les grottes et puis dans les abris. Et donc Jacques, avec une de nos collègues qui s'appelle Frédéric Valentin, qui est une spécialiste mondiale des études des ossements, ils ont mis en place une technique qui était d'étudier les sépultures, mais sans déplacer les ossements dans les grottes. Ce qui fait que, par exemple, à Lifou, ou par exemple à Tiga, on a étudié plein de cimetières kanak dans les grottes, mais sans rien prendre, sans rien enlever. L'étude, elle se faisait directement sur place. Ce qui faisait que, quand on faisait la demande pour pouvoir accéder au site, les gens, quelque part, ils étaient rassurés, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien qui allait être pris. Dans les sites où les sépultures, elles sont découvertes un petit peu par hasard, parce qu'elles sont enfouies, comme à Deva. À Deva, aujourd'hui, on en est à, je sais plus, une bonne quarantaine de squelettes qui ont été découverts. Dans un premier temps, quand on a commencé à travailler, les gens du GDPL de Deva, dès qu'il y avait un bout d'ossement humain qui apparaissait sous le bulldozer, ils arrêtaient tout de suite. Et puis Jacques, il est allé leur parler. Il leur a dit, vous savez, là, ça va être tout le temps qu'il y a des trucs qui vont sortir. Donc peut-être il faut changer de stratégie. Et ils se sont mis d'accord entre Jacques et puis eux, les gens du GDPL, pour nous donner l'autorisation de pouvoir fouiller les squelettes qu'on trouvait, mais sans déplacer les ossements. Donc Jacques, il fouille, il enlève tout le sable, etc. Ensuite, il y a les photos qui sont prises des différents angles. Il y a le plan qui est fait par John. Et puis, les gens de Boura, ils ont donné l'autorisation pour que les archéologues puissent prendre trois ossements, des petits ossements, des petits os. Un os pour pouvoir dater la sépulture. Un deuxième os qui sert, parce qu'il y a une technique maintenant pour savoir qu'est-ce que les gens y mangeaient. Et donc cet os-là, quand il est analysé, on sait si les gens ils mangeaient plus du poisson, ils mangeaient plus des tarots, des ignames, ils mangeaient plus, etc. Et puis un troisième os qu'on garde, qu'on n'utilise pas, au cas où un jour, peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, les techniques d'ADN elles soient assez poussées, développées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pour, si les gens ils décident à ce moment-là, nous, ça y est, on sera parti, mais si les gens ils décident à ce moment-là de faire des études d'ADN, que l'échantillon il soit disponible. Une fois que les trois ossements ils sont prélevés, on referme, on remet du sable dessus, et les gens de la province sud et qui gèrent le site de Guarodeva, avec le groupement hôtelier, se sont engagés pour que, autour de chacun des squelettes qui a été trouvé par les archéologues, il y ait 4 mètres carrés qui soient marqués sur les plans où il n'y a rien qui peut être construit. Bien entendu, l'étude de ces squelettes, que ce soit dans les grottes, que ce soit ailleurs, que ce soit les momies de Fatenaoué, par exemple, également,
montre une extrême diversité dans les traditions de sépulture. C'est suivant les époques, suivant les endroits, suivant la configuration aussi du terrain. Voilà, par exemple, à Guarodeva, il y a relativement peu de grottes. Donc, dans les grottes, on trouve les ossements, mais la plupart des gens qui habitaient pendant des siècles et des siècles à Deva, ils étaient plutôt enterrés dans la terre plutôt que d'être mis dans les grottes. Donc, voilà, je ne vais pas développer plus longtemps. Mais ce que les études elles montrent, c'est effectivement une grande diversité dans les traditions entre des gens enterrés assis, des gens qui étaient enterrés assis avec la tête qui restait à l'extérieur du sol, et les gens attendaient que le pourrissement se fasse et que la tête tombe naturellement pour récupérer le crâne, le nettoyer et puis le mettre dans l'alignement des crânes des ancêtres. Génération après génération. Voilà.